Hey yo les amis, c'est Amé, on dirait. On se retrouve aujourd'hui pour ce 18ème épisode, mine de rien. Oui, ça fait un moment qu'on tourne ici, donc on commence un petit peu à perdre les pédales. Mais c'est notre 18ème épisode sur The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. La dernière fois, on était rentré dans les ruines de Jabul. On avait déjà un petit peu exploré le moins 1, le rez-de-chaussée. On a quasiment tout exploré, je pense. En fait, il va falloir après qu'on aille par là-bas, je pense. On a été là. Étonnant. Ah oui, je sais, oui, on a été là. Mais on a juste pas monté, c'est tout, quoi. Ok, et donc du coup, là, on a débloqué donc deux interrupteurs sur les 5 qu'on doit débloquer. Et normalement... Ah oui, on est là, quoi. Ok, donc c'est là qui me fait descendre. Ok, remarque, c'est un raccourci d'une certaine façon. Alors là, le problème qu'on va rencontrer, c'est ici. Parce que j'ai pas compris comment est-ce qu'on est censé allumer les torches là-dedans. Voilà. Comment on est censé allumer la torche qui est sous l'eau? Je suis trop bête. Non mais... Vous avez dû me regarder avec des yeux de dédain. En fait, j'oublie souvent qu'on peut déplacer les choses quand elles sont inaccessibles. Et forcément, là, si je fais ça maintenant... Ça marche. Ah oui. C'était évident. Non mais c'était évident, mais... Voilà, bah oui, forcément, puis là, oh bah... Nouvel interrupteur, quoi, final. Hop, alors... Hop, on appuie, et donc là, on a le troisième sur 5. Les autres, on va devoir aller chercher, quand même. Et oui, mais maintenant, on va pouvoir aller les chercher, c'est surtout ça. On aurait peut-être pu, mais ça aurait été chiant, je pense. Fais voir, on retombe où? Oh, pile poil là où je voulais retomber, parfait. Comme ça, on n'a pas à se refriter tous les monstres. Ouais. Allez, on aspire tout. Hop, et on va ici. Alors ici on a des coffres de ce que j'ai vu, faites voir. Ouais là il y a deux coffres. On arrivera dans une zone où il n'y en a pas. Et tu vois mais voilà ça. En vrai je pense que le... Je pense de façon honnête hein, que l'apnée, il y a tellement de trucs pour récupérer. C'est pas très utile. Alors que la défense, ça peut-être plus intéressant. Hop là. Un œuf d'or. Let's go. On en a 8. Ouais. Il y a tellement de trucs pour récupérer son apnée en fait que on se rend assez rapidement compte que c'est pas forcément le truc le plus nécessaire. Quoi. Ah non mais. Voilà. Hop. Poisson bombe. Parfait. Ok, nous on va aller chercher le coffre là-dessous. Oh, c'est le coffre du boss en plus. C'est pas n'importe quel coffre, d'accord. Coffre de la clé du boss. Très bien, ben merci. Vous avez obtenu la grande clé, elle vous permettra d'ouvrir la grande porte. Ouais, jusque là... C'est bien, c'est intuitif.
Hop là. Et le rubis. Je reste en dessous pour bien évidemment récupérer voilà, les petits items, bien évidemment. Et oui, de temps en temps, faut lui. Alors attends, parce que ici il y a un truc. Apparemment, c'est peut-être un raccourci plus qu'autre chose. Ouais, ça a l'air d'être un raccourci. Ça te va ? Ouais, c'est un raccourci. Parce qu'après, regardez, on a fait ça, et du coup, ça c'est un raccourci. D'accord. Hop. Et voilà, des algues iront encore et encore. Hop là. Requin. Parfait. Et franchement, on a carré, hein. Ok, requin, encore une fois. Moi, je pourrais rester à la surface, en vrai. C'est pas tant que c'est un problème. Et je peux pas attraper les coups. C'est évident. Bon alors. Hop. Ah. Pourquoi je peux pas appuyer? Bon bah tant pis, on va mettre un rocher. Voilà. Si ça veut pas, on met un rocher, ça voudra. Que 1 et on a le boss. En vrai ça va, il est facile ce donjon. Je pensais qu'il serait beaucoup plus difficile. Hein. C'est pas. Je m'en plains pas, hein, au contraire. Mais je pensais quand même qu'il serait beaucoup plus complexe. Ouh là là. 1. D'accord. Tout pour les rubis. Hop là. C'est chose faite. Voilà. Parfait. C'est exactement l'endroit où on voulait aller. Eh oui, mais tu ne mourras pas parce que je bouge. Hein. Eh oui. Olé. Ok, je vois. En vrai. Hop, 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 hop.
Hop. Ok, ça fait 4. D'accord, j'ai. C'était là. Hein. Ça fait du bien, c'était enfin un niveau qui était pas en 2D. C'était cool. Ça me manquait un peu les salles là. Eh oui. Miguel. Hop, bute là, bute là. C'est pas un coup. Non, non, là tu vas aller dans l'eau, tu vas mourir. Ouais, bien joué. On s'en sort plutôt bien, je trouve. Regardez, est-ce qu'il nous reste un coffre? On n'a pas eu. Eh non. Attendez, je crois qu'il y avait encore un autre truc. Attendez. Eh non, hein, regardez. Non, non. On a tous les coffres. Peut-être un cœur, par contre. Du rubis, ça me va. Hop là. Et le dernier, du coup, le jaune, qui permet, du coup, maintenant d'augmenter au niveau max et de pouvoir rejoindre le boss. Voilà, les gars. Eh oui. Avec la fameuse petite musique de déblocation du jeu. Youhou! Oh, parfait. Hop les. Le petit cœur juste avant le boss. Vous êtes prêts? Attention le boss. Hein. Limite. Allez, ça va être un boss. Bah, de toute façon, on sait le boss. Ce que ça va être. Ça va être l'énorme de. Espèce de poisson rose, là. Il est stylé après, hein. Un requin. Ouais, faut lui bouffer ça. Ok.
Ah oui. Allez, 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 allez. Allez, oh, je crois qu'on a gagné. On a gagné. Let's go. On est juste à côté du réceptacle en plus. C'est trop bien. On aura officiellement nos 10 premiers cœurs, notre première ligne complétée. Incroyable. Et par contre, les gars, fallait pas me descendre. Genre, le réceptacle, il est en haut. Et ouais les mecs. Et voilà. Du coup, Tri va monter niveau 5, peut-être qu'elle va enfin avoir un triangle de plus. Waouh. C'est joli en vrai. Hein. Le vrai Jabu. Pendant ce temps, encore dans le néant. Mes camarades ont partagé leur pouvoir avec moi. Niveau 4. Tu peux faire quoi de plus maintenant là, parce que je te vois pas avec un truc de plus. On dirait que je peux faire plus de choses qu'avant. Ah, c'est encore mieux. En gros, ils vont nous coûter moins cher. Donc c'est mieux que de lui rajouter un triangle dans les fesses. Oh. Aïe, 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 le nombre de triangles que vous avez besoin pour créer certains échos. Pas tous. Mais ceux-là en font partie du coup. Pour la bombe, ça va être... Ouais, c'est ok tiers en vrai. Le Dark Nude, c'est bien. On va pouvoir en créer deux. Ça, c'est bien. La momie, bon, pas ouf. Les poissons, bon, pas ouf. Tu vois, genre... Ok, ça va. C'est pas fou non plus, mais c'est pas non plus incroyable. Mais c'est vrai que ça aurait été la migale, j'aurais adoré. J'aurais pu faire deux migales. Tri vous a remis 5 fragments de puissance. On n'a pas croisé Link. Hein, c'est un fait remarquable, parce qu'on n'a pas croisé Link du tout. J'ai pu reparler à mes compagnons pendant qu'on refermait la faille. Ils ont tous dit que c'était la première fois qu'ils refermaient une faille aussi grande. Je savais bien qu'on ne pouvait plus faire notre travail, mais je n'avais pas imaginé que les failles aussi énormes puissent s'ouvrir à cause de ça. Si tu n'avais pas vaincu ce monstre, je ne sais pas ce qui se serait passé. Nous n'avons plus rien à faire dans ce monde de néant. Sortons d'ici Zelda. Hop là, le 10e cœur. Parfait. Ouais, de toute façon, hein. Et ouais, oh le Dark Nut à 2 là, on va pouvoir en faire 2, regarde là, bam, et bam, 2 Dark Nut.
Ça, c'est stylé. Ouais. Allez, back to the world. Pardon. Alors. Faudra qu'on revoie aussi ceux qu'on a vus récemment, là, qui nous disaient qu'on devait attendre. Alors. Ah, Zelda, tu es revenu ? Tu es vraiment incroyable, Zelda. Toutes les failles ont disparu. Mais où est le grand Jabu-Jabu ? On a vu le gros poisson dans le monde du néant. Maintenant que la faille est refermée, il devrait être revenu. Vraiment ? Tant mieux. Merci, Zelda. Drad et moi avons le même âge et nous sommes tous les deux chefs, mais malgré nos similitudes, nous nous sommes toujours querellés. Comme nous tenions des rôles similaires, nous voulions toujours être meilleurs que l'autre. Mais il y a des choses que le peuple des mers et des rivières peuvent pas faire s'ils s'unissent pas leurs forces. Et puis, une bonne dispute de temps en temps, ça défoule, mais là, on est allé trop loin. Sans compter qu'au fond, vous êtes de bons amis. Nous ne sommes pas spécialement amis. Dis donc, Inawa, mêle-toi de tes affaires. Bref, nous tenons à vous faire part de notre plus profonde gratitude. Nous avons une grande dette envers vous, Zelda. Dame Kusha, Seigneur Drad, le grand Jabu-Jabu est de retour sur la place de l'estuaire. Allons-y, Zelda. On va célébrer tout ça. C'est vraiment le moins qu'on puisse faire pour remercier. Et notre chef, le chef de la cavalerie d'Hyrule, là. Ah, on n'a pas notre... Attendez. Là, c'est une très belle miniature. Leurs petits instruments, c'est trop bien. Oh, c'est Pipou. J'adore, c'est trop mignon. J'en ai rien à foutre, c'est la miniature. D'habitude, je mets le boss, mais là, là, ce sera la miniature. C'est une bonne chose qui se finit bien. Bon, il nous manque notre père, Link, le chef de la cavalerie d'Hyrule. Bon, il nous manque 2-3 personnes encore, mais... Ah, j'aurais bien voulu écouter la musique des auras encore un peu. Ça fait plaisir de voir des gens se réconcilier. Tu ne trouves pas, celle-là ? Où suis-je ? Vous, là, j'ai besoin d'indications. Oh, j'en oublie manière. Je suis Dex, général du royaume d'Hyrule. Quand j'ai repris mes esprits, je flottais dans la mer. J'ai entendu de la musique, alors je suis venu voir. Pourriez-vous m'indiquer comment rejoindre le château d'Hyrule depuis ici ? Et regardez de plus près. Se pourrait-il que vous soyez ? Oh ! Mais oui, c'est bien vous, votre Altesse. Je ne m'attendais pas à vous retrouver ici. Nous sommes bien dans les eaux de Jabul, n'est-ce pas ? Que s'est-il donc passé ? Alors, voilà tout ce qui s'est passé. Comment ? J'ai raté tout ça ? Donc en ce moment, le ministre Sénès se trouve chez Louberry. Dans ce cas, je vais aller le rejoindre. En avant ! Ouais, on a refermé la faille, mais on n'a pas trouvé ton père, dit Zelda. Et si on allait chez Louberry nous aussi ? Je pense que c'est la chose à faire. Hein. Alors. Retrouver le roi et les autres. Putain, on a tout validé d'un coup là. Bam bam bam. Toutes les quêtes. Ah, trouver le roi et Link. Je suis ici.
C'est la première fois que je raconte ma vie en long, en large, à travers et en travers un Zora des mers. Il se passe quoi si un Zora des mers il tombe amoureux d'une Zora des rivières? Ça fait un Zora des. Qui va dans les deux du coup? Enfin, c'est... Écoutez, je suis curieux, moi je me pose des questions dans la vie. Déjà, premièrement. Avant d'aller voir, parce que Loubéry, on ira le voir l'épisode prochain. Je vous le dis tout de suite, voilà. Non, en vrai, je sais, peut-être en fin d'épisode, on y sera. Mais en fait, je voulais juste être sûr qu'il n'y ait pas de quête. Qu'on n'aurait pas fait, des choses comme ça. Tu as le repère du grand Jabu. On va pouvoir y entrer normalement, tu vois. Là, il y a un mec, par exemple. Qu'est-ce qu'il me veut? Je vais passer le relais à l'équipe de nettoyage. Ouais, vous êtes des bosseurs, bien sûr, mais... Bon, ok, donc là c'est pour retourner au temple. Ok, c'est bien ce qui me semblait, il n'y a que derrière. Ah. Est-ce qu'on peut parler à Jabu? Il a l'air plutôt heureux. J'aime bien, genre c'est vraiment l'animal de compagnie, tu sais, maintenant c'est... Il a l'air plutôt heureux. Tu fais une tape derrière la tête, il est content. Alors... En plus, on a des petits trucs à ouvrir. Mais on n'avait pas vu ce petit quart de cœur qui se trimballe, là. On va aller le chercher tout de suite. Et voilà. Eh oui. Ça en fait un de moins à récolter, les amis. Je pense que on a matière en tout cas à pouvoir faire ce jeu à 100%. Ce qui veut dire qu'il y a matière. À ce que de manière effective, on puisse effectivement faire ceci. Alors, en vrai... Attendez, parce que... Je vais être un minimum OP avec ce qui se passe là. Mais oui, ok. Bon, en vrai, je veux juste voir si chez les Zora des rivières, il y a des quêtes. C'est-à-dire que là, je rentre dans les maisons, je regarde juste s'il y a des points d'exclamation... Si je peux aider, toi non. Après, je pense que Zora des rivières, j'ai tout fait en termes de quêtes. Mais bon, comme on a fini un donjon, des fois, il y a des quêtes qui se débloquent. Non, c'était juste une potion qu'il y avait à l'endroit où j'ai acheté les palmes. Ok. Bon, la maison est toujours cassée. Il faudra peut-être un peu de temps pour la réparer, je pense. Toi, j'ai fait ta quête dans tous les cas, donc c'est finito. Le chef, il a pas une quête. De toute façon, le chef, il dit quoi? Faut qu'on parle au chef. Ce temps de chargement était vraiment long. Hein. Pour le coup, j'ai vraiment cru m'endormir. C'est parti de la faille. Et c'est lui qui avait peur et qui s'est fait calmer par... Non, grosse dispute. Non. Coucha et moi, avant... Coucha et moi, wow. Avant qu'on se dispute sans arrêt, maintenant j'ai envie de tourner la page et d'avoir de bonnes relations avec elle. Il faut l'avouer, c'est un petit peu grâce à toi Zelda qu'on a fini par se conseiller, mais on va apprendre à régler nos problèmes, nous-mêmes nos problèmes. Surtout que vous feriez un merveilleux couple. Vous entendez à merveille en vrai. Putain, on connaît hein, se chamailler. Je suis perplexe. Eh oui.
Eh oui. Oh joie. Les gars, on est bientôt à 500 rubis, hein. Je tiens à vous le dire. C'est comme ça. Là, je monte pour faire le beau, mais... bientôt à 500 rubis. Et honnêtement, je crois que j'ai de quoi monter à 500 facilement. Hein. Hop là. Oh là là, regardez ce que je vois. Hop, une petite fée. Un deuxième quart de cœur. J'ai pas raison de passer là. Ouais, mais je préfère vérifier. Voilà. Ok, maintenant on peut aller par là-bas, tout au fond. Là où la map n'est pas encore dévoilée. Il y aurait pas un petit tampon, allez. Ne dites pas que cette zone existe pour rien, j'y crois pas. Je ne veux pas y croire. Ah, là tu vois, il y a un choix à faire. Moi je prends celui-ci. Parce que c'est le plus haut. Ah non, là, c'est Mister Gland, là. On lui parle pas, lui, on a dit. Bon, faudra revenir parce que le truc des trois cascades aussi, il y a peut-être un truc dedans. Je refuse de croire, voilà. Je refusais de croire qu'il y avait rien du tout. Si c'est une composition de smoothie... Non, mais j'ai dit que je dirais rien, alors je dis rien. Hop les. Voilà, nous on est monté, hein. Tiens, rien ne nous empêchera de monter. Ok. Là, il nous faut un homme avec un petit bouclier. Voilà. Parfait. Hop là, pendant ce temps, on aime. Parfait. Je crois que t'as tué aussi le... Ouais.
Mais il tank de ouf lui hein, par contre hein, parce que. Le problème c'est ça, c'est que on n'a pas de. Voilà. Quelle composition cette fois? Un 9. Parfait, on aime, on apprécie. Mais en vrai, on devrait l'invoquer plus souvent, lui, là. Parce que, bon, ok, il fait 4, mais il est pas mal, en vrai. Genre, en termes de... Tu vois? One tap. Non, il est fort, en vrai. Je pense pas qu'il y ait grand chose à voir là-haut. Je pense qu'on peut descendre. Voir qu'on peut faire ça. Les amis, on va s'arrêter là. Dans l'épisode prochain, on va tout de même essayer de voir très rapidement au peuple des Aura des Mers, voir comment ça va. Et sinon, après, on ira voir Louberry, effectivement, pour lui taper, taper la pince. Néanmoins, néant soustraction, Voldemort. Combien de rubis on a? J'aurais bien été dépensé sinon. 484. Mais si on fait ça là, y a pas des rubis là-dedans? Attendez, on peut peut-être trouver des rubis pour aller les dépenser auprès de la grande fée. Avant de tout foirer là. Et oublions pas non plus qu'on a un truc aussi dans le désert. Dans la même veine, où faut juste qu'on explose une. Voilà. Les rubis. Oh non! Je crois que c'est passé. Si, c'est assez. C'est pile poil là, c'est d'ailleurs. Hein. Sélectionnaire, attire le marqueur. Hein. Hop, hop. On va aller chercher les améliorations. Comme ça, dans le prochain épisode, tout ce qu'on a à faire, c'est aller voir si au peuple des mers, on n'a pas des petites quêtes secondaires pour nous. Ça prendra 5 minutes, surtout que vous avez vu, dans ce jeu, les quêtes secondaires, on n'en a quasiment pas en cours, étant donné que bah, c'est toutes des quêtes qui peuvent se résoudre dans l'instant. Là, on va lui demander un peu plus d'élégance, tu vois. C'est normal. Et je pense qu'après, elle voudra 700. Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue. Rends-moi élégante. Vas-y. J'appuie sur A depuis tout à l'heure, ça. Attends, t'es bien là. T'as 800, 900 rubis là déjà dans la fontaine. T'es heureuse, hein. Ok. Si tu m'apportes plus de rubis, non, je serai élégante. Combien, 700? Sugai. 1000. Écoute-moi bien, petit fils. 1000. Ok. Non, mais voilà, fréquence d'apparition des rubis, fréquence d'apparition d'énergie augmentée, même si en vrai l'énergie on en manque plus tant. Et mesure de fréquence d'apparition des cœurs augmentée aussi, parce que on en a pas vu beaucoup dans le truc, et en vrai c'est un peu dangereux. Mais sinon voilà, si on n'a pas fait un truc aujourd'hui, c'est les amiibo. Okay, on a du beurre. Des viscères de monstres. 2 œufs d'or? Wesh! Ah oui, quand même. Ça, c'était Gucci. Ça. Bien! Et les œufs d'or, bah, on en a 10 maintenant, mine de rien. 11! Oh là là. Quel renta. Bon, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le liker, à le commenter. Et. On se dit du coup à demain. Moi, du coup, je sais pas quand est-ce que je vais restream.
Là, je vais faire une petite pause, peut-être lundi, mais je suis pas sûr, honnêtement. En tout cas, sachez que dans tous les cas, on va pouvoir, faire une petite... Moi, je vais faire une petite pause au niveau des streams, mais dans tous les cas, suivez-moi du coup sur Discord et sur Instagram pour savoir quand est-ce que je vais en stream. Et sinon, eh bien, suivez carrément la chaîne Twitch. Vous serez alerté quand des streams commencent. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher vos meilleurs commentaires, j'y répondrai dans tous les cas. Et moi, je vous dis à la prochaine, et bye tout le monde. Allez, ciao.